le Centre français d'innovation culinaire. C'est la seule chaire universitaire liée à la gastronomie de demain. Et dans ce Centre français d'innovation culinaire, nous explorons toutes les possibilités que nous allons pouvoir avoir pour mieux manger dans l'axe plaisir, bien-être et santé. On va pouvoir fabriquer en apesanteur des capsules d'eau, on pourra manger la membrane. On travaille évidemment sur la lyophilisation, les cryoconcentrations de saveurs, la diminution du sucre dans l'alimentation. Mais le plus important dans le Centre français d'innovation culinaire, c'est que l'université considère le monde de l'artisanat comme un champ d'application possible pour construire ensemble peut-être la PME de demain. Un chef d'entreprise, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui croit en un projet. On a un projet de vie, de structure d'entreprise. Et donc, ça doit se ressentir. C'est-à-dire que votre interlocuteur doit sentir votre présence, que vous ne lâcherez pas. Et on peut rester déterminé, porter son projet, croire en soi, croire en son pays, croire en des valeurs. Parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que les clients attendent aussi qu'on porte des valeurs dans nos produits, notamment nous dans le monde de la gastronomie. Les étrangers nous voient comme des gens déterminés par moments, porteurs de projets, innovants, capables d'adaptabilité dans les marchés. Mais dans mon univers et dans l'univers du luxe, on s'aperçoit que c'est un univers qui fait écho sur l'ensemble de la planète. Je n'ai pas connu d'investisseurs étrangers qui ne soient pas venus en France sans être séduits par ce que représente la France. Vous ne pouvez pas ne pas être séduit par l'industrie française qui a beaucoup d'ingéniosité, par les simples petites PME de région, je pense à ces petites fabriques de pâtisserie dans la région centre qui intéressent aujourd'hui le marché chinois. Pour moi, c'est toujours très simple. Venez voir les Français, venez voir la France.